everyone at the Città dei Tricolori Stadium, Reggio Emilia. Welcome to Olympique Lyonnais. I again repeat, before we start, can we switch off the mobiles, or at least put them on silent? Some instructions before we start. The translation is being provided from French to English. Okay. And please make your question into the microphone. Photographers, as we said, in the media instructions, please. You can take photos in the beginning of the press conferences, and that's it. We can start. Any questions? Yeah, why no players? We will get the players after this. After the press conference. In 10 minutes. En France, dans la Ligue, il n'y a pas si beaucoup de concurrence, peut-être seulement Montpellier, Juvisy et Paris. En Allemagne, cette saison, presque chaque équipe est dans la possibilité de gagner de l'un l'autre. C'est un avantage pour Wolfsburg ou comment tu l'as fait? Non, il n'y a pas un mot là-dessus. En ce qui concerne Wolfsburg, je ne sais pas si c'est un avantage. Moi, en ce qui concerne l'Olympique Lyonnais, on a des matchs effectivement intéressants, d'autres qui sont plus abordables. Mais si on rajoute toutes les sélections internationales, le nombre de matchs de niveau international reste élevé pour les Lyonnais. So in the French Liga there is perhaps not the same competition as in Bundesliga. We have to say there is of course Olympique Lyonnais champion, there is perhaps Montpellier, there is perhaps Juvisy, and there is Paris Saint-Germain. But in Bundesliga we have another situation that anybody can beat anybody. Do you think this is an advantage for Wolfsburg? Don't know if it constitutes an advantage for them. It's true that we have interesting, sometimes hard matches in the Liga, others that are, to be honest, easier. But what is also to be taken into consideration is that we have our players, my players, have a big number of matches, international matches to play, and this is not easy always. Gérard, bonjour. Quel état d'esprit vous êtes aujourd'hui? On est dans un état d'esprit, on associe, je dirais, deux qualificatifs. La sérénité, parce qu'effectivement, on est quand même depuis plusieurs semaines dans une dynamique très positive. Mais puis j'associerai cette sérénité avec beaucoup de détermination, parce que c'est indispensable. Par rapport à l'événement de demain et une finale de Coupe d'Europe. What is in what spirit, what shape do you find yourself and your team? Well, I think there are two important elements to be quoted before such an important appointment, that there is a kind of serenity, optimistic feeling, because we are on a positive dynamic for quite a long time, and of course there is a big determination to strive for this title, and this is important to feel it also on the pitch tomorrow. Gérard, est-ce que tu sens un appétit grandissant des filles après les deux dernières années où ça s'est terminé en huitième de finale, puis la finale perdue de 2013? Est-ce que tu sens vraiment qu'il y a une frustration à évacuer au cours de ces dernières heures, au fil du temps qui s'approche par rapport à la finale? Oui, alors il faudra leur poser la question tout à l'heure aux deux joueuses, parce qu'effectivement elles ont vécu peut-être cette frustration. Aujourd'hui, nous, en tout cas moi en tant qu'entraîneur, c'est un métier qui nécessite tellement d'énergie et d'attention au présent que je n'évalue pas le passé. Voilà, l'appétit par rapport à une finale de Champions League suffit pour pouvoir être déterminé et motivé pour l'événement. Voilà.
Donc les enjeux, ils sont multiples. Il y a la finale du championnat d'Europe, il y a effectivement une éventuelle frustration que vous venez d'évoquer, il peut y avoir un esprit de revanche, il peut y avoir la rivalité franco-germanique, il peut y avoir tellement de choses qui peuvent se multiplier au niveau des enjeux. Moi, vraiment, en tant qu'entraîneur, je ne cesse de le dire, et c'est mon discours depuis 2 ans depuis que je suis à l'Olympique Lyonnais, c'est le jeu. Voilà, parce que c'est sur le terrain que ça se passera, c'est pas aujourd'hui dans la conférence de presse, ni dans les déclarations, ni dans les discussions, c'est sur le terrain. C'est sur le terrain, ce qui fera la différence, c'est le jeu. Voilà, le jeu et effectivement, après, le mental de chacune des équipes. Jean-Pierre, do you think, you feel that your players are very hungry after what happened in the last 2-3 years? There was twice a stop in the 8th finals and the last 16th and the lost final in 2013. Do you think your players are eager to get rid of this frustration? You should ask them directly. Perhaps there is this kind of feeling in some of them if they made this experience. But me as a coach, to focus on the present, on the energy and on the correct attention that we have to put on such a match. And I won't judge, and I don't like to judge what happened in the past. I think the attitude is what determines such a match. It's a source, a big enough source for motivation and determination. And there are so many interests in such a kind of match, European interest, maybe a feeling of revenge, maybe a feeling of German-French rivalry, sporting rivalry. But as I said before, me as a coach, I have to concentrate on what I've been doing the last 2 years. I have to stress the importance of the game. What happens on the pitch is what counts, and not what happens in the press conference or on the base of declarations or discussions. It's the game, and of course the mental capacity also, which is very important. Coach, for your team tomorrow, it's likely to be an emotional one because you have players such as Amadine Henry and Lotte Schelling playing their last game for the club. Is that something that you want them to use positively, or is that something that you have to try and control a little bit because those players have been a big part of this team for a very long time? Il y a quand même une part émotive dans cette rencontre de demain avec trois joueuses qui feront quelque part aussi leurs adieux à l'Olympique Lyonnais. J'en ai cité Amandine Henry et Lotte Schelling. Donc, est-ce que ce sera, on va dire, un facteur supplémentaire à gérer, quelque chose qu'il faudra canaliser justement pour le bien de la réussite collective demain? Je suis désolé, j'avais encore oublié un enjeu supplémentaire pour demain. Non, comme je vous l'ai dit, les filles sont concentrées sur un objectif. Quand on est à l'Olympique Lyonnais, les choses sont très claires, les choses sont très précises, les objectifs sont très précis. Il y a le championnat de France, il y a la Coupe de France, il y a la Coupe d'Europe. Grâce à la performance de 10 joueuses, on est champion de France, on a gagné la Coupe de France. Aujourd'hui, on est concentré sur le troisième objectif de l'Olympique Lyonnais. On est fiers de porter les couleurs, qui est la Coupe d'Europe. Après, c'est normal, c'est votre métier à vous, effectivement, de pouvoir faire monter, comme on dit familièrement, un peu la mayonnaise et puis jouer sur l'émotion. Moi, je suis pas dans l'émotion, je suis dans le travail tactique, je suis sur le jeu. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que demain, les joueuses puissent être au maximum de leur capacité pour mettre en application le jeu qui est le nôtre depuis le début de la saison. Et pour répondre plus précisément à votre question, à partir du moment donné où notre jeu repose sur le collectif, voilà, les trois joueuses que vous venez d'évoquer, elles ont compris que leur performance individuelle passera par le collectif et elles privilégieront le collectif avant, je dirais, leurs émotions personnelles. J'ai aucun doute à ce niveau-là. Yeah, sorry, I forgot perhaps one more interest of this game. If
it interests you perhaps also more than me. But in Lyon, things are very simple. There is one aim we are following. Things are very clear and precise. When you play here, you play for winning the French national competition, the French National Cup, and the UEFA Women's Champions League. So, two objectives are already fulfilled. We are French champion and we won the French Cup. And now we are all very concentrated on this third objective, which is the UEFA Women's Champions League. And we are proud of what we did, and we are proud of our colors. And yes, of course, I understand your point. It's normal to have some kind of emotion, to emotionalize this kind of events also. But it's not my priority. I have to focus on the game, as I said before. I have to put everything into practice that my team will be to 100% of their capacities, of their abilities, as they already showed during the whole season. And as you truly remarked, we are a collective based team, and these three players you mentioned will only be individually strong if the collective capacity is there. And I have no doubt about this, that the whole team will be strong, and that the three players, the three interested players, will put their personal emotions behind. Thank you. We'll take the last question for the coach, and we'll bring the players. Thanks. I'm sorry, but I'm going to ask the question again, because tomorrow there will be Lotte Colleen's last game for Lyon after 8 years. Please describe her as a player and a person, please. Alors, je dois malheureusement, enfin, je dois faire mon boulot et revenir sur donc celle qui disputera aussi son dernier match demain soir au bout de 8 ans de bon et loyaux service à l'Olympique Lyonnais. Alors, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, nous faire une nouvelle description de cette joueuse, comment vous la voyez sur un plan purement footballistique, mais également sous un angle humain? S'il y avait un mot pour qualifier Lotta, la classe. The big class, big woman. Au niveau du jeu, au niveau de l'individu, c'est une belle, ce qu'on appelle, moi, dans ma Lorraine natale, vous ne connaissez pas la Lorraine, mais c'est une belle personne et c'est une joueuse d'exception. Voilà, et ça sera avec beaucoup de tristesse, effectivement d'émotion, que on dira au revoir après la finale, la semaine prochaine, à Lotta, en lui souhaitant de continuer sa carrière qui est exemplaire. If there's one word I can pronounce, it's class. It's, I mean, a really big personality, top player, footballistically speaking, and also from a human point of view. She's a very, very kind person, as we used to say now in my region, Lorraine, France, and yeah, exceptional woman from all angles. And we will be very sad to say goodbye to her, and it will be very emotional, but all this will happen after the final, and we will wish her the very best, that she continues on what she has done all these years in Lyon, carry on this fantastic career she had. Thank you.